In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommt. Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. Nach 100 Jahren ist der Böse wieder auferstanden. Er kann sich in eine Fledermaus, einen Wolf und Nebel verwandeln. Er liebt die Nacht. Er schlürft das Blut von jungen Frauen und lebt ewig. Der Burgherr des Teufelschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula, ist auferstanden. Y a-t-il un Allemand dans la salle? Car franchement, pour tout vous dire, je n'ai absolument rien compris de ce qu'il a dit. Non mais franchement, c'est impressionnant quoi. C'est pour un jeu qui est uniquement sorti au Japon, d'avoir des voix en allemand, c'est incroyable. Déjà à l'époque, c'était stupéfiant. Mais même aujourd'hui, en 2011, voir ça dans un jeu, c'est hallucinant quoi. Des voix en allemand dans la cinématique d'intro et sous-titrées en japonais. Pour un jeu 100% japonais, bravo quoi. Franchement, ça met bien dans l'ambiance, même si on n'a rien compris, à moins d'être soit japonais, soit allemand, la cinématique d'intro, on comprend rien. Donc, on se retrouve donc dans Castlevania Rondo of Blood, plus connu sous le nom de Akumajo Dracula X Shino Rondo. Et donc, là, on va aller sur le menu principal. Et je vais un petit peu vous montrer ma skill sur le jeu. Hein. Donc ça fait très longtemps que je me suis pas remis à ce Shino Rondo. Donc j'espère que ma prestation sera bonne. Hein. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont s'attendre à des fails. Hein. Enfin qui espèrent que je vais faire plein de fails, hein, n'est-ce pas mon cher Yoshi? Il pourra enfin se venger de tous les commentaires où je le chambrais sur sa skill dans Yoshi's Island. Donc j'espère que je vais pas avoir une prestation similaire, hein, sinon il va me rentrer dedans. Et il aura de quoi se venger là. Bon, donc là ça charge, hein. Bien sûr on est sur support CD, hein, et bon la PC Engine elle a un lecteur CD qui n'est pas non plus dernier cri. Donc ça prend pas mal de temps par moment, hein, pour les chargements, hein. Donc ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas un freeze ou quoi que ce soit. La PC Engine met du temps à charger les données. Le lecteur CD, le bloc optique, est assez lent, même si c'est un super CD-ROM 2, il a été amélioré depuis le premier CD-ROM qui est sorti sur la PC Engine. Mais voilà, il reste moins performant que les lecteurs CD de nos jours, comme la 360 ou la PS3, ce qui est un petit peu normal. Hein. Je vous rappelle, le support CD, la première fois qu'il est apparu sur PC Engine, c'est en 1988. Hein. C'est pas d'hier, hein. Donc quand même vachement impressionnant, c'est que dès 1988, on pouvait déjà jouer à des jeux sur format CD, quoi. Donc... Akumajo Dracula X Shino Rondo. Donc je vais faire une petite description de la fiche technique du jeu, hein, en tant que vidéo testeur. Voilà, c'est mon petit péché mignon de vous présenter un petit peu le jeu, mais franchement j'irai dans le plus bref de chez bref quoi. Alors édité et développé par Konami, hein, le producteur du jeu est Yoshiki Yamada. Et il est sorti exclusivement sur la PC Engine
au Japon uniquement, le 29 octobre 1993. Hein, donc sur support Super CD-ROM 2. Hein, le lecteur CD-ROM de la PC Engine Dernier Cri. Voilà, et comme je vous l'avais déjà dit dans l'intro, j'y joue directement sur la console d'origine. Hein. C'est pour ça que vous aurez des chargements par moment, que ça soit un petit peu plus long. C'est dû justement au fait que je joue directement sur la console d'origine. Faut savoir que pour jouer à ce Shin Rondo, donc soit il faut posséder la PC Engine, hein, ce qui n'est pas donné vu le prix de la console. Parce que comme je vous l'ai dit, soit il faut que vous preniez une PC Engine, plus rajouter le lecteur Super CD-ROM 2, les emboîter l'un contre l'autre et acheter Shin Rondo. Et en plus Shin Rondo il est pas donné non plus, hein. Faut compter maintenant, je crois que sa cote c'est dans les 100€ à peu près. Donc voilà, c'est pas donné pour ce jeu. Même si il est de très bonne qualité, mais j'y reviendrai. Mais bon, c'est pas quand même un jeu facilement accessible. Déjà, il n'est pas présent sur tous les magasins. Donc, enfin, magasin déjà, c'est magasin import et en plus sur Internet, c'est pas franchement évident de le trouver et à bon prix. Donc, plus facilement pour pouvoir vous essayer à ce Shin Rondo, vous pourrez bon là ça lance la cinématique plusieurs fois, je suis désolé, mais bon, je parle en même temps, au moins ça mettra pas un écran figé pendant que je parle. Donc il y a plus facilement pour pouvoir jouer à ce Shin Rondo, vous pouvez le télécharger sur la console virtuelle de la Wii, hein. Il est disponible depuis le 19 mars 2010, dans sa version d'origine, hein. Donc c'est version Jap, hein, bien entendu, il n'a pas été traduit non plus. Mais voilà, vous pourrez vous essayer à ce Shin Rondo plus facilement si vous possédez une Wii. Vous le téléchargez, il coûte je sais pas combien sur la console virtuelle et ça sera beaucoup plus simple pour essayer ce jeu. Après bien sûr il y a l'émulation, hein, bon ça c'est logique. Et récemment également il est sorti dans le jeu PSP Castlevania The Dracula X Chronicles, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait dans le jeu vous avez un remake de ce Shin Rondo, hein, avec des graphismes bien plus amélioré, même si je préfère quand même le style de cette version PC Engine. Et vous pouvez justement débloquer la version d'origine dans l'épisode PSP, ce qui est plutôt bien, hein. Vous pourrez même débloquer Symphony of the Night, c'est vous dire la version PSP, c'est la version ultime, hein. Vous pourrez jouer aux deux meilleurs épisodes de la série sur la même galette, quoi. Voilà. Ok, bon, on va aller sur l'écran titre parce que sinon on va pas y arriver. Alors, press run button, c'est parti. Vous entendez le petit bruit de la porte qui grince, quoi. C'est franchement, ça met bien dans l'ambiance, quoi. Bon, alors là, j'ai. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas la partie. J'ai pas fini le jeu à 30%. Hein. C'est juste que ça s'est effacé, en fait, puisqu'il y a une sauvegarde interne sur la PC Engine. On peut sauvegarder nos données, ce qui est plutôt bien. Mais ça ne dure pas éternellement. Hein. Je l'ai remarqué, c'est que j'ai fini le jeu. Après, j'ai pu toucher pendant plusieurs mois. Et quand j'ai essayé de remettre le jeu et rallumer la console, bah, tout s'est effacé. Donc, à mon avis, la pile de sauvegarde ne doit pas tenir pendant très longtemps. Bref, on va effacer le fichier. Hop, voilà, c'est comme ça c'est fait. Donc, vous voyez, vous avez jusqu'à 3 fichiers de sauvegarde. Hein, donc, ça, c'est plutôt bien. Et pour faire jusqu'à 3 parties différentes. Je vérifie si toujours la capture est bonne, puisque comme je l'ai dit, je capture sur la console d'origine et c'est pas franchement évident, puisque des fois ça frise pas mal avec Pinnacle Studio. Et je vérifie à chaque fois que la capture se passe sans trop de bugs. Et en plus, pour capturer ma voix, j'ai utilisé un autre ordi, histoire de pas faire ramer l'ordinateur sur lequel j'ai lancé Pinnacle Studio, qui demande pas mal de ressources, quoi. Donc, si vous voyez la configuration dans laquelle je joue, là, c'est c'est vraiment une épopée, hein. Je suis assis par terre, dans une condition vraiment pas confortable. J'ai deux ordinateurs portables à côté de moi, un pour enregistrer ma voix, l'autre pour enregistrer les images vidéo. C'est un truc de ouf, quoi. Et à chaque fois, je surveille les deux si tout se passe bien, quoi. Incroyable. Bon, alors, on va prendre Name Entry. Donc, Player 1. Alors, on s'appelle bien entendu Squall. J'aime bien la petite musique de fond, là. Ça fait un petit peu religieux, c'est sympa. Non, je pourrais pas mettre 982. Bon, je vais laisser Squall tout court, hein. Bon.
Ce sera bien comme ça. Voilà. Ouais, c'est bon, on sort. On peut pas choisir le mode de difficulté hein, dans le jeu. C'est juste un moment, comme je vous ai dit, on pourra. Dès qu'on libère Maria, on pourra incarner Maria. Et c'est en fait le sorte de mode facile du jeu. Donc, mode facile avec Maria, mode difficile avec Richter. Mais bon, comme je vous l'ai dit, avant de démarrer le jeu, je ne compte faire le Shinrondo de A à Z qu'avec Richter Belmont. Je ne prendrai à aucun moment Maria, même si je dois galérer comme un ouf, je ne prendrai pas Maria, hein. Je resterai uniquement avec Richter. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore fini le jeu à 100% avec Richter. Je me suis arrêté, je ne sais plus à quel niveau. Je crois que c'est le même niveau que là où, lors de l'épopée de Hooper, il s'était arrêté justement et il en avait tellement marre à force de perdre qu'il a pris Maria. Je crois que c'est à ce même niveau-là que j'ai changé de personnage. Mais bon, j'ai pas trop insisté non plus. Hein, donc ça se trouve, au bout de quelques essais, j'y serais parvenu. Mais bon, je voulais pas me prendre la tête, je voulais vraiment que le finir. Et donc j'ai pris Maria au cours de l'aventure. Et après avec Maria, le problème c'est que c'est fun, c'est marrant, parce que ce personnage est méga super cheaté quoi. Mais bon, il n'y a pas de challenge en soi, et pour cette épopée, vu que ça s'appelle une épopée, autant prendre Richter pour qu'il y a plus de difficultés et qu'il y a plus de stress quoi. Bon, je parle, mais je n'ai pas encore commencé à jouer, donc ça serait bien de commencer à jouer l'ami Squall. Ouais, donc c'est bon, on va prendre hop ça. Voilà, donc là vous avez, donc soit on démarre la partie, on voit nos statistiques, donc là 0% c'est normal puisque j'ai recommencé une nouvelle partie. Le nombre de dollars que j'ai accumulé, donc l'argent ça sert pas à grand chose si ce n'est à acheter des techniques. En fait c'est pas des techniques, c'est ça vous montre juste la façon dont vous pouvez battre les boss. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez affronter les boss dans le jeu, ils vont se débloquer ici. Et après, bah vous aurez plus qu'à acheter ces différentes vidéos qui vous montreront comment battre chaque boss efficacement. Et donc ça, vous aurez besoin d'un certain nombre d'argent pour acheter ces différentes techniques de boss. Bref, le sound test, bon bah là c'est pour écouter les musiques du jeu, bon, y a rien à faire. Ok, on va de ce pas commencer la partie. Allez, on y va. Je vous laisse avec la cinématique d'intro et on se retrouve tout de suite après. Si ça, c'est pas une intro qui déchire, franchement, je m'y connais pas. Hein. Là, c'est vraiment impressionnant pour un jeu qui est sorti en 93 d'avoir une cinématique pareille avec une bonne musique derrière. C'est le thème de Richter Belmont. Franchement, c'est la classe, quoi. On voit ça. Même aujourd'hui, c'est quand même la classe, quoi. On est sur PC Engine, sérieux. Une console 8 bits, hein. Si vous en souvenez, une console 8 bits, à l'époque, c'est quoi? C'est la NES, c'est la Master System, quoi. Donc là, franchement, cette PC Engine, c'est vraiment méga super impressionnant. Ah, et là, on rencontre Def pour la première fois, la mort, qui va nous défier au combat. Je suis en train de faire n'importe quoi, ça commence bien. Oh, putain. Ouf, j'ai eu. Il faut que je le touche deux fois, je crois. Voilà, c'est bon. Oula, attention. Oh punaise, j'ai eu chaud. Ouais. Il a quand même une bonne skin, hein, Def, hein, dans cet épisode Shinrondo. D'ailleurs,
On dit partout que Death a la meilleure. C'est une des meilleures apparitions de la mort dans un Castlevania. Donc là, ça commence bien. Hein. Dès le stage 0, vous voyez, on est sur un cheval et tout, au galop. Ça met bien dans l'ambiance et direct, on se bat contre Death, quoi. Donc, c'est super bien, quoi. Donc voilà, on se retrouve donc dans la ville d'Ajiba, aux proies aux flammes. Donc, au niveau de l'histoire, bah, je vais quand même vous parler un petit peu de l'histoire, même si vous l'avez vu un petit peu dans l'intro. En fait, c'est une sorte de secte maléfique dirigée par le prêtre Shaft qui a décidé de ramener le comte Dracula à la vie. Car comme vous le savez, selon la légende, le comte Dracula se réincarne tous les 100 ans pour justement gouverner la Terre et plonger le monde dans les ténèbres, quoi. Et en fait, Shaft a voulu que tout le monde soit chamboulé, a voulu que le comte Dracula revienne plus tôt afin de faire une sorte de table rase de tout ce qui s'est passé avant sur la Terre. Et pour cela, vu que ça ne faisait pas encore 100 ans, je crois, il a décidé de invoquer les forces du mal pour ramener le comte Dracula à la vie. À l'aide d'une cérémonie un petit peu macabre, comme vous l'avez vu dans l'intro lorsqu'il parlait en allemand. Ils ont sacrifié une vierge sur le cercueil de Dracula, ce qui a précipité le retour du démon. Et à partir de là, donc Dracula est revenu à la vie et il a déchaîné toute sa puissance en lançant tous les hordes de monstres sur la ville d'Ajiba et a détruit justement toute la ville. C'est pour ça que vous voyez là, la ville est complètement en feu, quoi. Dans la même foulée, quoi, les monstres ont justement kidnappé 4 jeunes filles. Tera, une nonne, hein, qui fait partie du couvent local. Il y a Iris également, la fille du docteur qui a été enlevée. Mais surtout, les sbires de Dracula ont kidnappé Annette Renard. Donc c'est la promise de Richter Belmont, hein, qu'on voyait actuellement, hein, le dernier descendant de la famille des Belmont, hein, qui est une famille qui combat le mal et qui doit justement qui à chaque fois combat Dracula pour l'empêcher de gouverner la Terre. Et en fait, c'est la petite amie de Richter, hein, et elle s'est fait enlever en même temps que sa petite sœur Maria Renard, que vous verrez un petit peu plus tard, qui a été également kidnappé par les sbires de Dracula. Donc Richter Belmont, tout vénère, a décidé de les sauver, hein, et donc se lance à la poursuite du château démoniaque de Dracula. Hein, donc Castlevania, ça veut dire Castle Château, hein, et Vania, ça vient de Transylvanie. Donc voilà un petit peu pour ceux qui ne savent pas d'où vient le nom Castlevania. Donc voilà, Richter Belmont est tout vénère, vous l'avez vu dans l'intro. Voilà, il met sa tenue bien classe. Il prend son fouet légendaire, la Vampire Killer. Donc, le fouet des Belmont, hein, transmis de génération en génération. Et qui est la seule arme qui peut détruire Dracula. Et donc là, il va justement essayer de sauver sa petite amie Annette. Et également les autres filles du village, hein, qui ont été enlevées, quoi. Là, il n'y a rien qu'on peut détruire. Donc, je pense que je vous... pour l'intro que vous avez vu au début, là, avec les... Oh, mais pourquoi il descend, ce con? Bon, tant pis, il reste en bas. C'est pas grave. Pour là, on peut détruire. Voilà, des petites pièces. C'est bien. Pour la petite intro que vous avez vu au début, là, en allemand, là, je pense que quand vous la verrez la première fois, Parce que là, je parle, mais bon, moi, je ne l'ai pas vu puisque je joue. Mais quand vous allez voir cette vidéo, dans l'intro, je crois que je vous mettrai les sous-titres. Puisque, ces sous-titres, c'est pas moi qui les ai faits. Hein. Je me suis basé sur la traduction française, enfin, au niveau des sous-titres, dans la version PSP Castlevania Dracula X Chronicles. Et puis, vu que c'est les mêmes voix et la même intro, même si elle a été améliorée graphiquement, mince, je ne l'ai même pas vu, lui, quel con.
Bah, au moins, c'est le même dialogue, donc au moins vous comprendrez mieux qu'est-ce qui se passe dans cette. Qu'est-ce qu'ils disent hein, dans cette intro. Attention, hop. Donc, déjà, écoutez-moi la musique, c'est vraiment la classe, le thème de Simon. N'importe quoi. Le thème de Richter Belmont. Bah, c'est impressionnant hein, comment il défonce la vitre pour m'attaquer là. Donc au niveau du maniement de Richter, je vous ai pas un petit peu montré qu'est-ce qu'il peut faire. Donc bien sûr avancer, reculer, sauter. Il y a même un salto arrière, vous voyez, on appuie. En fait, il faut rester immobile et appuyer deux fois sur la touche de saut. Voilà, hop, il fait ça, donc ça permet d'esquiver certaines attaques. C'est plutôt bien, en plus ça la classe comment il fait ça. Voilà, vous avez bien... Et avec l'autre bouton, bah, vous attaquez avec le fouet. Par contre, hein, avec le fouet, on peut pas taper dans 8 directions comme dans Super Castlevania 4. Hein. Ça a été... à maintes fois reproché dans cet épisode Shino Rondo, c'est que bah, on revient un petit peu à l'ère des Castlevania sur la NES, quoi. C'est-à-dire que Richter, bah, il est un petit peu rigide, hein. Il peut attaquer que dans deux directions, hein, gauche et droite, hein, et puis quand il se baisse également, mais sinon c'est tout, hein. On peut pas attaquer vers le haut ni vers le bas, quoi. Donc c'est un petit peu limité, mais bon, c'est pas vraiment un défaut en soi, puisque dans le jeu, il n'y a pas besoin de justement taper dans plusieurs directions. Et puis ça rajoute un petit peu de challenge, je trouve. Donc c'est plutôt bien. Moi, je trouve pas que c'est un défaut en soi. Allez, on va descendre. En plus, l'avantage dans les escaliers, c'est que on peut justement sauter dans les escaliers. On n'est pas immobilisé. Hop. Voilà, là, un petit gigot, ça fait plaisir. Ouais, là, hop, on va descendre. Vous voyez là, si on veut là, on peut sauter, vous voyez là, hop. On est sur les escaliers, mais on peut sauter. Hein. Donc, alors que dans les précédents Castlevania, on est un petit peu comme un aimant sur l'escalier, quoi. On peut pas du tout bouger. Donc là, au moins, on peut sauter, c'est franchement sympa. Bon, alors, on va... Ah là, par là, on a un chemin alternatif. Mais bon, je veux pas y aller, hein. En fait, l'avantage dans ce Castlevania Shino Rondo, c'est qu'on a plusieurs chemins parallèles dans le même niveau. Donc ça, c'est plutôt bien. On pourra à chaque fois avoir différents embranchements dans le jeu. C'est franchement sympa. Oula, je fais n'importe quoi. Attention. Alors, vous voyez les flammes derrière, c'est franchement impressionnant. On a la tour de Pise, carrément. Attention à ce golem. Il est pas compliqué, on est encore au premier niveau, hein, donc pour l'instant c'est pas super difficile. Hein. Puis je l'ai fait maintes et maintes fois ce premier niveau, donc je le connais par cœur. Ah, on a également les armes secondaires, je vous les ai pas montrées, hein, donc là pour l'instant j'ai la hache. Donc pour pouvoir lancer l'arme secondaire, déjà il faut assez de MP pour ça. Et donc les MP on les regagne en prenant des cœurs. Vous voyez, là c'est un cœur, hein. C'est pas pour reprendre de l'énergie les cœurs dans Castlevania, c'est pour reprendre de l'énergie magique. Donc vous voyez le petit compteur au-dessus de la hache en haut à gauche, il a 41, donc c'est le pouvoir magique qui me permettra de lancer les armes secondaires. Donc là pour l'instant j'ai la hache, et pour lancer l'arme, il faut c'est le même bouton que pour le fouet Vampire Killer, sauf qu'il faut appuyer sur la touche vers le haut en même temps. Voilà, et là ça me lance l'attaque. Hop, attention, on va éviter ces coups. Voilà, attention. Attention, il va me lancer un petit coup de poing là. Voilà, t'es mort. Donc là, quand même, graphiquement, vous voyez, c'est quand même la classe, quoi. C'est super beau. Je vous rappelle, on est sur PC Engine, les gars. Hein. On n'est pas sur Super Nintendo hein, ou sur Mega Drive. Hein. On est sur une console 8 bits. Donc franchement, même si le processeur graphique de la console c'est un processeur 16 bits, ça reste une console 8 bits à la base. Donc franchement impressionnant quoi. Même aujourd'hui ça se joue avec un grand plaisir, hein. Ça n'a pas pris une ride quoi au niveau graphique. Enfin moi c'est mon avis quoi. Donc là attention, le boss hein, qui va apparaître, un dragon, vous l'avez vu derrière, qui est en train de voler, attention. Vous voyez ce petit effet là où il fonce vers l'écran, franchement bien fait. Allez c'est parti. On va essayer de le faire facilement et rapidement. On va lui lancer que des haches dans sa gueule. Hop. Attention à ses flammes. Oula, là, attention. Oh putain. Oh putain, il m'a accroché l'enfoiré. Vas-y, on va utiliser l'item crash, hein, une nouveauté dans ce Castlevania Shino Rondo. Attention. Non, je fais n'importe quoi. Lâche-moi. Ah, ça y est, il est mort.
Ouh là 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 là. D'habitude, j'y arrive sans problème, et là, franchement, je fais n'importe quoi. J'ai failli crever. Ouais, l'item crash, en fait, c'est quand on a assez d'énergie magique, vous voyez, quand ça clignote au-dessus du, au niveau du compteur, on peut, à l'aide de la touche select, lancer la furie de l'item. Donc là, avec la, vu que c'est la hache, et à chaque arme secondaire, on a une furie différente, et ce qui nous permet justement de déclencher une attaque dévastatrice. Bon, voilà, j'ai réussi à finir le premier niveau, même si j'ai fait pas mal de bêtises. Ok, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette première partie, puisqu'on est déjà rendu à 30 minutes et faut pas oublier qu'il y a l'intro juste avant qui a duré une vingtaine de minutes, et j'ai pas envie que ça dépasse l'heure pour que je puisse vous poster cette vidéo dans les temps le 30 décembre quoi. Hein. Donc voilà, on va s'arrêter là avec sur le thème de la Vampire Killer, hein, un thème culte de la série des Castlevania. Mais on verra ça au prochain épisode. Donc je vais mettre start. Et donc je vous dis à très vite, hein, pour la suite de cette épopée Castlevania Shinnoh Rondo. Donc quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Hein, joyeux Noël déjà, hein, même si c'est déjà passé. Et surtout bonne année 2012. Hein, j'espère que cette année sera riche en très bons jeux vidéo. Bonne santé à vous tous, hein, c'est surtout important, c'est la santé. Faites-le entre amis, avec la famille, c'est important. Et rendez-vous pour l'année prochaine pour la suite de cette épopée Castlevania Shinnoh Rondo. Allez, à bientôt pour la deuxième partie.